fait 11 degrés. C'est l'automne. Il y a de la brume. Vendredi matin, je vous ai filmé un peu ma routine ce matin, mais là je m'apprête à faire l'organisation de la salle de bain. Fait que je me suis dit qu'on pourrait starter le vlog comme ça. Ah, il y a un chat sur mon terrain. Cute! J'aime pas les chats, je suis allergique, puis on dirait que ça me fait peur, mais de loin c'est cute. Ouais c'est ça, je vais vous montrer avant-après, puis les containers que j'ai commandés sur Amazon. Fait que je vous montre ça. Avant. Après, 2 heures plus tard, puis au moment que j'ai terminé, ah, il s'est réveillé. Puis ça, c'est le bordel que je dois ramasser. Tous les paniers là, que j'ai vus, des rotins plastiques. Ça, c'est mes pochettes genre de maquillage on the go que je vais trouver un autre endroit. Sinon, toutes les boîtes, là, je vais mettre le lien en barre info des petits contenants en plastique, là, vraiment pratiques. Puis j'en ai commandé vraiment le bon nombre, fait que j'avais commandé 8. Comme ça, là, évitant paquet 2. J'avais commandé 2 fois là, les duos de plus minces, genre. Un panier aussi que j'avais en rotin ailleurs pour mettre les serviettes. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Mais là, c'est ça. C'est pas encore parfait parce que tous les gros formats, genre, tu sais, shampoing, les gros sacs de sel de bain, ça rentrait pas dans les contenants. Fait que soit que je vais essayer de trouver des plus hauts contenants en plastique ou je sais pas trop. Peut-être laisser ça comme ça, mais là, c'est comme... ça me gosse parce que j'ai quasiment tout... faites à la perfection, sauf ça, genre. Fait que je vais essayer d'en trouver des plus hauts. Je vais me commander aussi un étiqueteuse, genre, pour tout écrire qu'est-ce que c'est qui est dans les bacs. Mais sinon, là, vite, vite, là, j'ai de l'over de savon fait par ma belle-mère en haut. Sinon, tout ça ici, c'est shampoing, revitalisant, soins pour les cheveux, masque, huile. Ici, j'ai des sels de bain, sinon des gros formats de sels de bain, over de shampoing, revitalisant, gros format. Ici, j'ai mes brosses pour le corps, un coussin pour le bain, sinon masque pour le visage, spray pour le visage, huile pour le visage et contour des yeux, sérum, crème de jour, crème de nuit, soin pour le corps, soin pour les lèvres, soin pour le corps là, pour la douche, là, genre exfoliant, nettoyant corporel, auto-bronzant. Puis de l'over de gros format. Et sinon, mes serviettes dans le bas avec les produits nettoyants. Fait que vraiment, vraiment satisfaite. Là, pendant qu'Henri joue tranquille, je vais tout ramasser ça. On a reçu les couches numéro 5. Yay! Je pensais que ça allait arriver après la fête du travail. Trop belle! J'avais été achetée hier en panique pour pas manquer de couches, de plus grandes couches. J'avais été acheter les Econati, là, les numéro 5. J'ai reçu ma commande en est, fait que je vais pouvoir ranger les vieilles numéro 4 puis aller les porter au sol pour futur bébé. Tant qu'à y être, là, j'ai aussi commandé sur Amazon le détachant Miss Mouth Messy Eater. J'ai vu plein de monde parler de ça, dire qu'il était vraiment bon. Moi, j'aime beaucoup le Je suis pur, mais je me suis dit pour le sac à couche, étant donné que ça fait quelques fois qu'on a des petits accidents, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en avoir un portatif là, en petit spray. Fait que j'ai acheté ça, je ne l'ai pas encore essayé. Sinon, j'ai aussi acheté ce bain-là de Skip Up parce que mon chum n'a pas aimé le nouveau bain où il peut s'asseoir. Il trouve ça va mal pour le laver, surtout laver les fesses. Fait que c'est pas plus grave que ça, je vais le donner. Pourtant, j'avais vu des bons reviews, là, en tout cas. Fait que j'ai commandé lui à la place que c'est un 3 en 1 là, fait que pour nouveau-né. Mais là, nous, on va enlever le
cover gris, puis juste le mettre direct comme ça. Puis j'ai aussi commandé une petite brosse à cheveux parce que j'en avais pas, j'en avais juste pour le bain. Puis j'ai commandé celle-là de Kay Babies pour brosser ses petits cheveux après le bain. Je l'aime beaucoup à date. Puis dernière chose que j'ai commandé pour Henri, c'est un nouveau changing pad réutilisable de Kay Babies encore une fois. Fait que ça, je mets ça dans mon sac à couche. Puis dans le fond, j'en avais un qui venait avec mon sac Lululemon, mais je pense que ça serait bien d'en avoir deux, surtout que là, dans les derniers temps, on a eu des petits accidents. Fait que même si je le nettoie à chaque fois, c'est le fun d'en avoir deux. C'était vraiment pas cher. Fait que je vais tout mettre ça dans mon dans la description, là, les liens vers mon Amazon Storefront. C'est tout sur Amazon que j'ai commandé ça. Il y avait plein de motifs aussi. Ça ressemble à ça. Puis c'est ça, c'est un tissu qui se lave super bien. Là. Le Lululemon, ce qui est nice, c'est que les deux côtés sont un tissu genre comme ça. Fait que tu peux l'utiliser de côté, tandis que ça, c'est du tissu. Fait que tu peux vraiment juste prendre ce côté-là. Mais il est vraiment beau, puis ça va être pratique d'en avoir deux, comme je dis. Ça, j'ai parti ça avec un bout de papier et j'ai été brûlé là. Coucou. Tu fais tes gâteries? Tu sais qu'ils sont là, hein? Du dimanche, il est 9h, puis on fait le canage aujourd'hui. Fait que mon père et ma belle-mère sont sûrement sur le bord de partir, puis s'en venir à la maison. Mon chum est parti au belle-mère, le classique. C'est ça, j'ai fini du clip aujourd'hui. Je sais pas trop comment on va se setuper, parce qu'habituellement on fait ça chez mon père, mais je sais qu'il va tout apporter son stock. Fait que après moi, on va faire ça dehors dans la véranda. Quand il fait dodo ce matin, il y a eu un tremblement de terre. Oh my god! J'étais en train de bercer Henri, il était genre 5h45. Il venait de se réveiller puis de boire, puis là j'allais le rendormir, puis il y a eu un tremblement de terre, j'ai capoté. Même 4 sur l'échelle de Richter, c'est quand même fort, je trouve, pour un tremblement de terre au Québec. En tout cas, j'étais bien sous le choc, fait que c'est ça. Pas trop bouleversé Henri, mais c'est plus moi qui capotais un peu. J'ai réveillé mon chum, j'ai dit, c'est quoi ça? C'était un tremblement de terre, je m'en doutais bien, mais je trouvais ça un peu intense. Je sais pas si vous l'avez senti, là. Je pense que c'était genre Centre du Québec, Montérégie, elle me trompe pas là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça, ce matin on fait le canage. Hier, je vous ai pas vlogué tant que ça, c'était une journée bien tranquille. Ça fait du bien de pas avoir de plan. Mon chum a fait la tondeuse, on a fait un feu dehors, mais il y a plu après. Mais c'était vraiment le fun. Mais c'est ça, à part de ça, on a pas fait grand chose. Puis demain c'est congé. C'est pour ça qu'on s'est dit hier de pas se mettre rien à l'horaire. Puis de prendre ce relax, pas nécessairement de faire des petits projets autour de la maison. On s'est dit, vu qu'il y a congé lundi, ben on pourra se reprendre lundi. Et c'est pas mal ça, les petits updates. Il fait beau, mais je pense qu'il annonce la pluie tantôt. À voir. Je me suis habillée en noir parce que vu qu'on fait des tomates, je veux pas me tâcher. Je sais pas à quel point je vais en faire parce que j'ai mon petit coco à m'occuper. Mais bon, je vais quand même essayer de vous filmer. Je pense qu'on va faire des tomates en canne, genre en conserve. Pour faire des soupes et tout, j'aime vraiment ça, puis de la sauce tomate. Fait que je vais vous filmer ça, puis sinon je vais vous reparler demain pour vous montrer les luminaires installés. Là, ils sont pas encore installés, on va faire ça demain. Puis sinon aussi, c'est vrai, j'ai commandé d'autres petits rangements pour la salle de bain, parce que comme je vous montrais, vendredi, il en manquait quelques-uns. Fait que j'ai commandé ça, puis je l'ai reçu, j'ai tout placé ça, je vais pouvoir vous montrer ça. Puis aussi, je m'étais commandé mes petites pantoufles style Uggs. Je vais vous tourner la caméra, ça va aller mieux. Je me suis commandé des petites pantoufles style Uggs sur Amazon. Je mettrai le lien en barre info. La semelle est quand même épaisse. Il y a un modèle similaire au Simons que j'achète souvent.
J'aime mieux ceux de Simons, pour vrai. Mais ils sont un peu moins chers, ceux-là. Puis c'est ça. Moi, j'aime bien les Uggs. Je trouve ça super beau. Mais vu que c'est pas vegan, j'aime mieux pas encourager. Fait que c'est souvent ça. J'achète des modèles comme ça, plus vegan. Tu sais, qui est pas fait avec de la peau de mouton ou du cuir ou du suède. Puis ça fait la job, mais c'est ça. Je préfère le modèle de Simons, mais si vous voulez vraiment une pantoufle pas trop chère qui est belle, ben je vous mets le lien en barre info. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, j'attends une étiqueteuse que j'ai commandée aujourd'hui. Je vais pouvoir tout étiqueter demain. Parce que là, aujourd'hui, d'après moi, on n'aura pas le temps de faire ça, mais j'ai hâte. Je vais être en mode étiquetage pour tout étiqueter partout. Je le sens. Fait que je suis vraiment en mode organisation. C'est le fun, là. Ça fait quand même 2 mois qu'on est rendu ici, là. Puis, tu sais, c'est comme une étape qui n'est pas nécessairement full prioritaire, mais là, on est rendu là. Puis, je trouve ça le fun de faire ça. Puis, je trouve ça important parce que là, c'est ça, on va rester ici vraiment longtemps. Fait que j'aime mieux que tout soit bien organisé et tout. Je sais que ça peut paraître peut-être intense. Toutes mes packs d'organisation et tout, là. Mais je trouve ça full important d'être bien organisé. Moi, ça me libère l'esprit, puis on dirait que quand t'es organisé dans ta maison, t'es organisé dans ta tête. Puis, je sais pas, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien de faire de l'organisation comme ça. J'aime vraiment ça. Puis là, c'est ça avec Henri, puis toutes ses affaires. Je trouve ça important d'être organisé. Puis, c'est ça. Là, je vais pouvoir tout étiqueter ses bacs aussi, c'est vrai. Puis, je vais devoir en acheter d'autres aussi parce qu'il en manque là, pour son linge. J'ai fait encore du ménage en fin de semaine, puis. Il y a plein d'affaires que j'ai rangées au sous-sol. Là. Si vous êtes enceinte, là, je vous dis, achetez pas trop de linge de bébé parce que ça grandit tellement vite. Puis il y a tellement d'affaires que j'ai pas mis. En espérant que bébé 2, je vais pouvoir lui mettre. Là. Fait que bref, assez parler pour rien dire. Là. Je vais aller préparer les choses pour l'arrivée de mon père et ma belle-mère. Puis je vous fais des petits clips pour aujourd'hui. Voici le résultat final de mon organisation. Fait que dans le fond, j'ai commandé un paquet de 4. Bac comme ça en plastique pour mettre l'over des grandes bouteilles là, vu qu'il n'y a pas couvert, c'est parfait. Fait que un, deux là, un là, puis un là. Puis j'ai commandé un petit aussi pour mettre le coton démaquillant, élastique et tout. Fait que là c'est final, puis je suis vraiment vraiment satisfaite. Tu vas peindre les chaises tantôt? Oh, je suis sûr que tu vas trouver ça. Là, tu en achèteras 2 litres. Là, la semaine prochaine, il y en a d'autres qui veulent venir à un tour. On va faire des canages, mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de. Non, c'est parce que. Il est rendu 2h30, puis je suis allée faire un petit arrêt vite vite à l'épicerie, quand même un petit bout de chez nous, mais c'est parce que mon père n'avait plus assez de jus de citron, puis moi non plus j'en avais pas assez chez nous, puis ça prend ça pour Camille. Fait que je suis allée en acheter avec Henri. De toute façon, il a pas dormi bébé aujourd'hui pour vrai, là. J'ai mis plein de petits clips, là, ça a l'air bien beau, mais j'ai passé la majorité du temps à l'intérieur parce qu'Henri voulait pas dormir. Fait que, en espérant qu'il s'endorme sur le chemin du retour, mais en tout cas, c'est pas toujours ce que ça a l'air, hein. Mais au moins les autres ont du fun dehors. Mais moi, il faut que je reste en dedans parce que faut que je sois là pour Henri. Fait que c'est ça. L'année prochaine, c'est ça que moi je me disais parce que j'étais quand même un peu déçue de ne pas pouvoir enjoy puis être là puis participer. Mais c'est ça, mon chum m'a rassuré. Il m'a dit l'année prochaine, il va avoir 1 an et demi. Fait que il va s'amuser dehors. Tu n'auras pas besoin de rester à l'intérieur avec lui. Fait que c'est bien vrai. Fait que c'est ça. Je m'en retourne à la maison. J'ai trouvé le jus de citron. Puis en même temps, ça me fait du bien parce que si je reste à l'intérieur, ça me fait du bien de faire un petit peu de tour, de sortir, prendre l'air. Je suis quand même allée dehors un peu aujourd'hui, mais pas autant que j'aurais voulu. Mais ça, juste aller faire un petit tour de tour, écouter un podcast, ça fait du bien. Fait que je retourne à la maison. On a dîné un gratin dauphinois vegan que mon père avait fait avec courgettes, aubergines, tomates, poivrons, puis une sauce tomate maison. C'était tellement bon. Puis ma belle-mère avait fait un pudding aux pommes et sirop d'érable, épices d'automne. C'était délicieux. Fait que j'étais un peu fou de coma, là, mais je retourne à la maison en espérant qu'Henri s'endorme puis que je puisse passer un peu plus de temps aussi dehors avec ma famille. Ah, je vais demander, il est où? Il pleut! J'ai reçu mon étiquette, je l'ai commandé sur Amazon, il y avait vraiment des bons reviews, fait que j'ai hâte de voir si c'est facile. Puis dans le fond, c'est Bluetooth, fait que je vais tout pouvoir faire sur mon téléphone puis imprimer, fait que je vais essayer de figurer comment ça fonctionne, puis je vais vous montrer après le résultat, tu sais, sur mes bacs, ça ressemble à quoi. Je
pense que je peux mettre des écritures différentes. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis ça venait avec trois styles de tape différents, si on veut. Là, un fond noir, un fond blanc, un fond transparent, si je ne me trompe pas. Fait que je vais vous mettre le lien en barre info. Garden haul d'hier, fait qu'encore des méga courgettes, j'en ai quatre. Là, c'est ça, je vais m'arranger pour faire de quoi avec, mais mon père m'a dit que ça se garde longtemps, fait que c'est pas stressant. Sinon, plein de tomates, des petites, des grosses, des moyennes. Je vais en donner un peu à ma mère parce que j'en ai ben trop. Concombre, courgettes, aubergines, piment fort, poivron, betterave oignon et haricots verts. Fait que pas mal les mêmes choses que d'habitude. C'est vraiment toutes des choses qu'on mange régulièrement, fait que une trop belle récolte, encore une fois, je suis vraiment contente. C'est trop beau. C'est très beau, ça. OK, mets-le. C'est pas grave. Ça sent vraiment belle, hein? Update sur l'étiquetteuse, je l'adore, ça va tellement bien. Puis comme je disais, c'est vraiment le fun parce que tu peux tout faire sur ton sel, tu peux choisir la police, tu peux choisir la grosseur, tu as différents choix de tape, tu peux mettre des émoticônes, des petites banners, en tout cas il y a plein d'affaires. Fait que je la recommande full si vous cherchez une étiquetteuse, ça va vraiment vraiment bien, j'adore. J'aime vraiment les luminaires, la lumière je la trouve un peu intense par exemple. J'ai pris vraiment la lumière qu'il fallait pour des salles de bain là, fait que... Si je peux me maquiller ici sans problème, mais je la trouve un peu forte. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Mon chum, il aime ça, mais moi, je suis comme pas sûre. C'est sûr que quand on va mettre le star ici, ça va être déjà mieux. Mais là, en tout cas, je vais checker ça, là, mais je les trouve vraiment beaux. Ils sont un peu gros. Comme j'ai déjà dit, là, c'était dur de trouver des beaux luminaires pour la salle de bain qui allait fitter ici. Fait que ça va être ça pour le moment. J'ai fini ma mission étiquetage. Fait que vraiment satisfaite, là, ça donne ça. J'ai pris une police basic, là. La taille pas trop grosse, j'ai pas mis en gras, j'ai pas mis en italique, surligné. Tu pouvais vraiment tout faire ça, mais j'ai pas fait ça. Puis j'ai pris le tape transparent parce que je voulais pas trop que ça paraisse. Fait que trop contente.